Bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de l'émission agricole Brave Paysan. C'est en cette saison de pluie que nous avons décidé de rendre visite à la coopérative des femmes du café cacao du Bas-Sassandra. La particularité de cette coopérative est d'œuvrer pour sortir toutes les femmes de la pauvreté. Une femme, un hectare de cacao, tel est leur slogan. Découvrons-les à travers ce reportage. La Côte d'Ivoire est connue pour être le premier pays producteur mondial de cacao, mais la qualité de son produit s'est fortement dégradée ces dernières années. Et pour pallier à cet état de fait, l'Association des femmes productrices de café cacao du Sud Bandama, AFPCC-SB, entreprend de bonnes actions en vue de renouveler le verger vieillissant par du cacao de meilleure qualité sorti des laboratoires des centres de recherche. C'est à Péridi, localité difficilement accessible située à 27 km de Divo, que nous avons vu les merveilles qui s'y pratiquent avec brio par une coopérative dirigée de main de maître par une brave femme. C'est de ces champs et des plantations de plus de 600 femmes membres que proviendra la qualité pour une production avoisinant 2,5 tonnes par hectare, cela en 18 mois. Avec une organisation instaurée par la présidente des femmes membres reconnaissables par des cartes, se font enregistrer pour avoir quelques plants de cacao. Très solidaire, elle se dirige toutes vers la parcelle d'une des membres pour l'aider au planting, ce qui caractérise pour elle l'importance de se mettre ensemble. On veut cacao, parce qu'on dit que ça donne vite. Et puis ça donne beaucoup. A mes photos, à mes goyoke, mais si c'est un cas bête ou d'abla, attaque à cacao, nous sommes en donne à quoi faire à toi, à Jalani, à Fanatokani, à quoi sont en donne. La dynamique présidente de l'association, dans le souci d'aider les femmes à sortir de la pauvreté, a décidé de créer cette coopérative pour briser le tabou selon lequel les femmes n'ont pas droit à la terre, donc condamnées à rester pauvres. Pour elle, le moment est venu pour la femme ivoirienne et surtout la femme du Sud Bandama de voir les choses en grand. C'est pourquoi, grâce au financement obtenu par une structure de la place, elle met à la disposition de ses sœurs et celles de la sous-région des centaines d'hectares de cacao. Les gens viennent de partout, Iré, Guitry, Lakota, Daloa, pour venir se servir gratuitement. Forte présence et oratrice de talent, elle ne laisse personne indifférent. Elle nous fait partager sa vision et revient sur les voyages enrichissants qu'elle a entrepris à l'extérieur. Je suis Makiza d'abord et j'exerce beaucoup dans le domaine de la femme. J'aide beaucoup les femmes. En tant que productrice, j'ai motivé mes sœurs aussi d'être productrices. C'est pourquoi j'ai créé l'association des femmes productrices de café cacao. Ici, nous sommes dans le village de Péridi. Je suis venu ici pour mobiliser les femmes qui sont dans la zone ici. C'est ici à Péridi que j'ai installé la pépinière de cacao Mercedes. C'est ça qui peut aider les femmes. J'avais déjà mobilisé les femmes, elles étaient déjà prêtes à faire leur travail. Mais où trouver la pépinière pour les donner? Et j'étais obligée de vraiment mettre ça sur le net. Et les gens m'ont écouté, ils sont venus me voir. Et on a approché le Nestlé, ils nous ont accepté, ils ont accepté notre dossier en tant que femmes. Et nous ont donné, notre coopérative a été acceptée auprès d'eux et nous ont aidés. Ils nous ont donné la pépinière. Premier année, on a fait 20 hectares. Et deuxième année, on a fait 60 hectares. Et cette année, on a 100 hectares. Vivrier, c'est bien. Parce que aussi, on fait le vivrier. On a de la banane, on met de l'aubergine, on met tout. Mais on va avoir du cacao. Parce que le cacao, c'est une plante, ça reste longtemps. Et la femme peut en bénéficier toujours. Les hommes, même quand ils finissent de faire la cueillette, ils vendent, ils oublient les femmes. Tu as que au moins 10 000 francs et on te dit, il faut attendre parce qu'on met ton enfant à l'école. Donc je veux que la femme se bat aussi pour qu'elle puisse acheter au moins, c'est pas elle aussi, elle soit autonome pour aider son enfant aussi qui est à l'école. Parfois, il y a des femmes qui sont malades, mais elles n'ont pas d'argent. Et la terre là, on dit de ne pas travailler, que la femme n'a pas droit à la terre. J'ai dit non. Et j'ai dit non, que ça soit partout. Donc j'ai pris les femmes de Ma, j'ai pris les femmes de Gagnoua, j'ai pris les femmes de chez les Antilles, j'ai pris les femmes de un peu partout. Et je suis sortie avec les femmes, on allait à Niamblé. Parce que Niamblé, la femme est autonome. J'ai pris quatre chefs,
J'ai pris chef Bavlé, chef Dan, j'ai pris un chef Dida, le chef des chefs de Sud Banama. Je suis parti avec ces chefs pour témoigner. Chacun va leur dire dans son village de donner la terre à la femme. Même si elle a un hectare, elle peut s'occuper de son enfant. Donc aujourd'hui, j'ai motivé les femmes à travers. Mais notre motivation est quitter à Niablé. On a vu à Niablé des femmes qui ont 20 hectares, qui ont des villas, qui sont bien. Aujourd'hui, nous, on dort encore dans les maisons banco. Même si on a un hectare, même si on a demi, nous allons construire nos jeux béton, nous allons dormir dedans. Les jeunes femmes, je les ai sorties de la rue. Aujourd'hui, la femme peut aussi aider un homme. Donc ces filles-là, elles viennent ramasser les cacao pour aller planter. Et elles suivent ça de près. Je suis venue ici, c'est un champ pilote que j'ai mis ici pour que les femmes voient ça. Nos champs pilotes, ça est là pour nous aider. J'ai des veuves avec moi, parfois qui n'ont pas les moyens. J'ai les orphelins des planteurs. Ce combat que je mène, c'est pour éloigner la pauvreté. Faire que la femme se prenne en charge. Je ne dis pas de divorcer, je dis de mieux travailler pour aider les maris. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Seulement, je demande une petite adhésion pour que tu te sens vraiment concerné, que tu es vraiment d'accord. Une toute petite adhésion que tu viens payer et on te donne les plans. Si tu as payé une année, les 10 ans, comme on m'a donné un contrat de 10 ans, les 10 ans, chaque année, tu viens, tu prends ta pépinière, tu vas, tu plantes. Je fais des réunions avec des jeunes. Tout dernièrement, les jeunes viennent de me voir dans un village là, ils m'ont convoqué. Je suis allé là-bas à Nyazaroko. Et ces jeunes-là m'ont dit que maman Agathe, on a compris. Mais comme on parle des femmes, je dis, je parle des hommes. Je parle aussi des jeunes. Vous qui êtes au village, qui jouez des cartes, quel est votre revenu? Quel est votre revenu? Si ton père est planteur, quand tu viens chaque vacances, que tu sais que tu es déjà majeur, tu atteins 20 ans, commence à créer ta plantation. J'ai une pépinière, viens prendre, tu vas créer ta plantation. Aujourd'hui, la jeunesse m'a écrit. On dit l'année prochaine, ils sont prêts à créer des plantations cacaoyères. Cette année, j'ai eu au moins 50 jeunes qui sont venus s'inscrire. Et je continue toute la sensibilisation auprès des jeunes. Cet Ivoirien de Washington est venu lui aussi recueillir les doléances pour les transmettre à ses frères de la diaspora. C'est la seconde fois maintenant que je viens sur le terrain. De la distribution des plans, les plantations, tout. Vraiment, ça m'a ébloui. Ces doléances-là, j'ai déjà tout écrit. Je vais tout faire le rapport, puis je vais avoir ces doléances-là. Sinon, tout ce que j'ai vu là, vraiment, moi-même, ça m'étonne. Nos frères qui sont là-bas, ils sont là dans l'immobilier. Et finalement, comme ils ont vu que depuis longtemps, même à part ici, il y a Abouville, que je suis allé voir. Parce qu'aujourd'hui, là, il ne faudrait pas qu'on laisse notre terre comme ça. L'immobilier, là, c'est bon, mais ce qui doit à manger, là, il faut faire. On a vu plein de cas. Il y a des gars qui ont construit des maisons par ici. Mais à leur mort, les héritiers, là, ils peuvent aller encaisser le loyer, mais l'entretenir, ils ne peuvent pas. Alors que la terre, au moins, tu es là. Quelques bénéficiaires de ce noble projet nous donnent ici leur impression. Bon, j'ai décidé de rentrer en brousse parce que je ne vais pas laisser mes enfants traîner dans la rue en tant que jeune. Je ne vais pas aussi pour rester dans la pauvreté. On est à côté de maman Agathe parce qu'on souffre. Cacao de monsieur. Une fois traite est passé, il a eu un peu pour nous donner, c'est fini. Tant du où on est là, si on n'a pas fait à kéké, les enfants ne mangent pas. Même mari ne mange pas à l'heure là. C'est pourquoi maman Agathe a envoyé projet cacao. Ah, on est tellement heureux. Pour bien faire le travail pour lequel elle se bat tant, elle a besoin d'un camion de ramassage pour évacuer les produits vers les grandes zones. Depuis 2003, j'ai créé l'association, j'ai eu l'agrément. Mais j'écris sur tous les toits pour avoir un camion de ramassage. Si on rentre là, vous allez voir un fleuve qui passe là-bas, c'est bois qui est dessus. Mais comme elles zones ce travail, elles sont obligées de charger les cacao sur la tête pour aller. Pourtant, le véhicule vient, on dit 50 000 francs. On dit 100 000 francs. Elles n'ont pas d'argent. Ça là, je demande ça depuis de m'écouter et ayez pitié de moi. Donnez-nous un camion, nous allons ramasser nos plants. Quand les hommes étaient là, j'ai organisé des fêtes. C'est une publicité aux fêtes. Ils vont venir, chacun va le dire à sa fille, il va donner plantation à sa fille. J'ai parlé à mes parents d'aider les filles. Donc, ma sangue, quand elle arrivait, moi, j'étais très heureuse. J'ai dit, tiens, voici une femme à la tête. Donc, quand ma sangue est arrivée, je l'ai approchée. Et ma maman sangue, elle est venue à notre fête. On avait fait un lancement encore pour la deuxième année. Et elle est arrivée. Qu'elle est arrivée, vraiment, elle a apprécié. Elle nous a envoyé 100 bottes, elle nous a envoyé 100 machettes, elle nous a envoyé 100 limes, elle nous a apporté 100 arrosoirs. Et elle nous a encouragés
de vraiment de travailler, qu'elle va nous soutenir, elle est avec nous. Et quand il y a eu la fête des mères, on allait là-bas, on a demandé que vraiment on voulait dîner avec elle, elle a accepté et nous sommes allés là-bas. Elle nous a reçus. Il y a des dames qui sont ici qui ne sont jamais allées à Abidjan, qui ne sont jamais allées voir. Nous, c'est toute la caisse d'instabilisation, mais ce jour-là, ces femmes-là étaient dépassées de monter au 22e. Donc cette femme, elle nous soutient. Notons que plus de 300 femmes membres de la coopérative ont eu l'opportunité de trouver un emploi temporaire dans la pépinière touchant un salaire journalier de 2000 francs. Au moment où nous quittions les lieux, les villes comme Niablé et Dabou l'ont contacté afin de bénéficier de ce projet. Nous avons rencontré durant notre reportage une brave femme. Elle est passionnée d'agriculture et elle a capté notre attention. C'est dans le portrait de la semaine. Gazolili, village situé à 5 km de Lakota, a vu naître Dame Nyakba Thérèse. Aujourd'hui mère de 3 enfants, elle est encore dévouée pour le travail de la terre avec son âge avancé. C'est avec les autres femmes du village et membres de la coopérative qu'elle entretient les parcelles de cacao mises à leur disposition par la présidente de la coopérative AFPCC SB. Elle nous raconte sa passion malgré le poids de l'âge pour le travail de la terre, ainsi que sa source de motivation. À cet âge-là, si je vais m'asseoir au village, que je ne vais pas aller au champ, je n'aurai rien à manger. Je connais planter banane, manioc aussi, je sais semer du riz. J'étais marié à Divo et tous les enfants sont morts. Il ne me reste que 3 enfants. Où je suis présentement, dans mon champ là-bas, j'avais mis un peu de cacao. On peut aussi, comme la forêt est là, on peut aussi goumoter pour planter. Où je suis présentement, je n'ai rien pour manger. C'est pour cela, où les jeunes femmes vont, je vais. Présentement, ce que je dis aux femmes, aux jeunes femmes, je leur dirai de travailler. Jusqu'à un jour, si Dieu les appelle, ils vont laisser quelque chose à leurs enfants. Les témoignages sont légion à son encontre. Et les villageois ne tarissent pas d'éloges de la voir arriver si tôt au champ avant les autres. Moi, c'est Goa Mathieu. Je suis le chef d'équipe de section Lakota, Gazolili. En fait, lorsque je suis arrivé ici, j'ai entendu parler de la vieille maman Thérèse, qui, vu son âge, est vraiment beaucoup très âgée. Elle est en tout cas la plus âgée de toutes les femmes qui travaillent sur le site, sur la pépinière. Elle est vraiment en tout cas très dévouée. Je suis allé une fois dans son champ faire le constat moi-même. Donc vraiment, elle a une grande plantation de cacao, mais qui n'est pas encore en production. Et vraiment, je dis comme ça un merci au Seigneur de en tout cas lui donner la force pour qu'elle puisse veiller sur son cacao qu'elle fait et qu'il l'aide à pouvoir entretenir ce champ-là, afin qu'elle puisse demain en bénéficier de cela. Son souhait est d'augmenter les parcelles de sa terre non encore exploitées. C'est pourquoi elle sollicite les bonnes volontés de la région afin de lui venir en aide. Quelques informations qui ont marqué l'actualité agricole en Côte d'Ivoire, c'est dans Agri-Info. Au terme de 6 mois de formation dans la filière respective de cuniculture et de laviculture et des maraîchères hors sol et sol-sol, le programme du Service civique national PSN a décidé de prendre en charge la formation civique et citoyenne FCC des jeunes bénéficiaires du projet de relance et d'intensification des activités du chantier d'insertion de la plateforme du service PFS de la commune de Soingon, banlieue abidjanaise. À cet effet, la division de la formation civique et citoyenne du PSN
s'est mise en relation avec les responsables de la PFS de Souangon pour offrir à leurs bénéficiaires un supplément en FCC et des kits de formation. Des cahiers, des stylos et des t-shirts ont été remis au nom du PSN aux jeunes bénéficiaires de la PFS Souangon par Madame Diabaté, chef de la division FCC. Après quoi, une visite guidée des chantiers expérimentaux que compose la PFS de Souangon a meublé cette séance de travail de la délégation du PSN conduite par le chef de la division FCC. Notamment, les bâtiments de la cuniculture où se trouvent les clapiers de l'aviculture aux champs expérimentaux de culture maraîchère avec différentes techniques hors sol et sol-sol. Face aux difficultés éprouvées par les producteurs pour écouler leur production et les nombreuses pertes engendrées par le non-ramassage des récoltes, les planteurs de palmiers à Hulle de la sous-préfecture de Noé située à 158 km d'Abidjan ont décidé de se mettre ensemble à travers une coopérative dénommée COPPH Noé. Étaient présents à cette cérémonie festive les autorités administratives, les autorités coutumières, le représentant de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire et de certains directeurs de services. Après l'adoption des statuts et règlements intérieurs par acclamation des 481 membres constituant cette coopérative, il s'est suivi la présentation officielle des membres du bureau. Et comme toute organisation agricole, le plus difficile n'est pas de créer la coopérative, mais de la faire vivre, a insisté le préfet du département de Tiapoum. Il a prôné l'union et la solidarité et donné les obligations auxquelles ils sont soumis. Le représentant de la Banque mondiale a quant à lui montré l'importance de ce puissant outil de développement et a donné la garantie personnelle de leur faciliter les appuis des bailleurs de fonds. Le PCA de la toute nouvelle coopérative fraîchement élue et initiateur de ce projet a donné sa foi de voir bientôt la coopérative prospérer avec les nombreuses orientations agricoles adoptées par le gouvernement. Il donne les projets à court et à moyen terme de la coopérative. Nous avons commencé d'abord par penser à la mise en place d'une usine d'extraction d'huile de palme avant de venir leur dire maintenant que nous pouvons vous assurer que vos produits seront achetés, maintenant nous allons vous aider à développer vos plans. Donc nous avons déjà une usine et nous allons faire une deuxième usine et les amener maintenant à créer une microfinance qui va pouvoir aussi faire du social au niveau des prêts scolaires, au niveau de la santé et ainsi de suite. L'organisation coopérative est devenue aujourd'hui un outil important de développement économique permettant aux promoteurs de mieux s'organiser pour plus d'efficacité. C'est sous des chants et danses du terroir que la sympathique cérémonie de clôture de la constitution de la coopérative des planteurs de palmiers à Hulle de Noé a pris fin. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Coulibaly Sangafoa, dans le souci de s'imprégner des réalités des producteurs agricoles et de préparer la campagne prochaine de cacao aux côtés des producteurs afin de s'assurer de la mise en œuvre effective de la récente réforme adoptée par la filière café-cacao, a initié une tournée dans la région du Bassa-Sandra. C'est Soubré, la cité du Nawa, qui a eu l'ultime bonheur d'accueillir le ministre et sa délégation. Chacun ne voulait pas se faire raconter cet événement inédit entrepris par le ministère. À cet effet, c'est à la place de l'indépendance qui a cette marée humaine qui a ovationné à bâtons rompus le ministre. Le maire a souhaité à Kouaba au ministre et à sa délégation, suivi du député qui a salué cette initiative. Les représentants des organisations professionnelles agricoles qui se sont succédés à la tribune, contents de voir leur ministre venir à eux,
ont énuméré quelques doléances qui vont du manque de financement des coopératives, de l'insécurité, du racket, du foncier rural, de l'absence répétée des sacs, de la voirie impraticable, du vieillissement des vergers au prix non garanti du cacao. Les braves paysans saluent cette action historique entreprise par le ministre. Nous étions heureux pour la première fois de voir un ministre de l'Agriculture. Après le temps, j'ai dit du président, notre nana tous, parcourir le monde paysan. Le président lui a donné un seul mot d'ordre, c'est le bonheur du monde paysan. Par conséquent, il faut que de temps en temps, il aille entretenir le monde paysan. C'est pour cela que nous sommes très heureux et que nous allons toujours accepter de l'accompagner dans cette mission-là. Quant au ministre, il a exprimé sa joie d'être dans ce département qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Il a indiqué que cette zone est reconnue comme une zone productrice de cacao, d'où le choix stratégique de sa délégation et lui. C'est pourquoi, dit-il, toute l'administration agricole est venue vers vous pour toucher les réalités auxquelles vous êtes confrontés. En réponse à toutes ces doléances formulées, le ministre a révélé que 25 milliards ont été obtenus par l'État de Côte d'Ivoire pour le bitumage et le reprofilage des routes et que d'autres actions sont en train d'être entreprises par le gouvernement pour le bien-être de tous les braves paysans. Je suis heureux d'annoncer ici que le président a obtenu de la Banque mondiale un financement de 25 milliards pour les pistes de dessert agricole ici même à Soubré. Et l'État va mettre une part de cette contribution dans la cagnotte et les travaux devraient démarrer au plus tard à la fin de cette année. On peut le dire, il était judicieux que le ministre entreprenne cette tournée au vu des nombreuses préoccupations qui minent ce secteur, vital pour l'économie de la Côte d'Ivoire, que le ministre a bien voulu noter puis apporter des solutions concrètes pour le bonheur de tous les braves paysans. Il faut noter que les producteurs ont unanimement souhaité une visite du président de la République dans leur belle cité. Le port de San Pedro, premier port exportateur mondial du café cacao, a reçu le ministre de l'Agriculture Mamadou Coulibaly Sangafoua dans ses locaux. Il a été reçu par une délégation conduite par le conseiller spécial du directeur général qui a souhaité la bienvenue au ministre et à sa délégation. Il a ensuite exposé par diapositive les perspectives du port. Le conseiller a énuméré quelques problèmes qui peuvent ralentir les exportations du café cacao et aussi émis le vœu de voir un guichet unique du café cacao au port. Le président du conseil café cacao a indiqué qu'il existe déjà un guichet unique au port, mais qu'il allait s'investir personnellement pour faciliter un rapprochement entre les deux structures. Nous avons pris note de votre souhait de voir un guichet unique véritable, mais je dois vous dire que ce guichet existe déjà. Nos services vont se rapprocher des vôtres pour voir dans quelle mesure adapter beaucoup mieux ce guichet dans les perspectives qui s'annoncent. Le ministre a expliqué le sens de sa visite et a révélé que le cacao pèse plus de 38% d'exportation, d'où la priorité pour cette filière par son département. Comme vous le savez, la filière café-cacao a connu une réforme et la campagne agricole 2012-2013 va se dérouler sous la base de cette nouvelle réforme. Et les responsables de la nouvelle structure vont commencer un travail de préparation de cette campagne. Donc nous sommes là aussi pour leur permettre d'enclencher le mouvement de préparation de la campagne à venir par nouer le contact direct avec les producteurs et tous les acteurs et les opérateurs qui sont concernés dans la chaîne des valeurs de cette spéculation. Une visite des infrastructures du port a mis fin à la visite. C'est déjà la fin de cette émission. J'ai été très heureuse de vous la présenter. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission de votre magazine agricole Brave Paysan. Un message à l'endroit de toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, là où vous êtes, si vous entreprenez
une activité dans le domaine agricole, vous pouvez nous contacter afin de ressortir ce que vous faites. Grand merci aux hommes du Bas-Sassandra qui ont bien voulu faire confiance à ces femmes pour leur donner des terres afin qu'elles soient propriétaires terriens. Mon vœu est de voir cela s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Pour tous vos avis et suggestions, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Que Dieu protège tous nos braves paysans. Vive l'agriculture. À très vite.